Absolument, ils sont allés la chercher. Cette victoire, c'est pas immérité au regard de ce que vous avez proposé ce soir. Ouais, c'est vrai que dans l'ensemble, on a fait quand même un match cohérent. On savait que ça allait être un match très difficile ici, mais le coach nous a dit de vraiment d'y croire et de jouer comme on sait faire. Et voilà, c'était une super équipe de Nice qui joue la Coupe d'Europe. On a réussi à gagner ce soir. C'est un exploit, on est vraiment très contents ce soir. On a tous été solidaires. Et voilà, on est récompensé avec cette victoire, c'est bien. Vous étiez chaud sur le pénalty, ça s'est joué à quelques centimètres. Ouais, c'est vrai que ouais, je peux avoir du bon côté, après c'est la loterie, il aimait bien. Après voilà, après le plus important c'est qu'on a su rester solidaire et marquer après, de suite après. Donc vraiment, on est vraiment très contents ce soir d'avoir gagné ce match, parce que c'était pas gagné face à une très très belle équipe de Nice. Donc voilà, on est vraiment très contents ce soir. Merci à vous et bravo. Bah, c'est sûr que quand on est trois, qu'on est promu venir gagner à Nice, et ça ressemble quand même à une belle performance. Après, je pense que on l'a travaillé sur ce match. On a été très très rigoureux tactiquement, très très généreux dans l'effort, et on a réussi à se créer des occasions. Maintenant, c'est un match qui aurait pu aussi tourner dans l'autre sens. Maintenant, en mettant ces ingrédients-là, on se donne des chances de réaliser des bonnes performances, y compris contre des équipes qui nous sont a priori supérieures. La clé, c'est d'accepter de souffrir quand on vient jouer face à une équipe comme Nice. De toute façon, je pense qu'il faut être humble. Quand on joue les gros du championnat, c'est forcé que ce ne sera jamais facile. Après, je pense qu'on a tactiquement été très bon. Dans la maîtrise du ballon, je pense qu'il y a matière à beaucoup mieux faire à l'avenir. Maintenant, c'est bien de valider ça par des points, parce qu'on sait que les points engendrent la confiance et que la confiance engendrera peut-être des meilleures attitudes avec le ballon. En début de saison, quand vous avez regardé le calendrier, vous avez vu Rennes, vous avez vu Nice, deux équipes du top 10. Est-ce que c'est un peu inespéré, ces 4 points en deux matchs? De toute façon, quand on est en Ligue 1, quand on regarde le calendrier, forcément, c'est difficile de se dire on prenait des points à tel endroit. Chaque match, il faut essayer de mettre les ingrédients pour ramener quelque chose. Et bon, sur ces deux premiers matchs, on est bien payé, on va dire. Maintenant, il faut continuer, parce que le championnat, il est très long. Quoi.